chronos pour vous. Hein. Tant mieux. Les chronos, vous en avez eu pendant tous les temps que vous étiez footballeur et sélectionneur. Et il fallait plutôt rugbyman que footballeur, mais bon. J'ai dit quoi? Footballeur, pardon. Sélectionneur et rugbyman, décidément, le football, hein, ça, c'est trop important pour moi. Joueur puis sélectionneur, en tout cas, des chronos, ça, vous en avez vu. Là, ce soir, prenez votre temps, tout va bien. On va se détendre. Je vous avoue que je suis très inquiet. Parce qu'Audrey Pulvar n'a pas eu le temps de parler du livre de Marine Le Pen, donc j'ai très peur qu'elle ait envie de parler du mien. Et je me demande si j'ai pas servi d'échauffement au débat tout à l'heure. Pas du tout, mais votre livre est un succès, c'est un best-seller. Il rencontre un grand succès. Pour l'instant, a priori, il marche bien. Il y a des choses très bien dans votre livre. Il est sorti depuis 4 mois. Je suis ravi de l'entendre. Et je vous rassure, l'avenir de la France ne dépend pas de mon livre. D'abord, expliquez-nous, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le faire tout à l'heure. Quel est le lien que vous avez? C'est vrai que c'est la vedette du moment, on ne parle que de lui. Et là, je m'y connais un peu plus en cinéma qu'en rugby. Votre lien avec Jean Dujardin et pourquoi il a accepté... Il est aussi parrain en fait, de la fondation pour laquelle j'ai écrit ce livre. Donc, mouvement pour les villages. Et il joue au rugby aussi? Il a joué au rugby, ses frères aînés sont plus mordus. Enfin, moi, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Lui, c'est le cadet d'une famille de 4 garçons. Et donc, on s'est retrouvés à travers cette fondation. Il a joué un petit peu au rugby. On va regarder quelques images. Tout à l'heure, on en a vu une. C'était cette fameuse image où vous énerviez contre un journaliste. On va voir votre évolution tout au long de la dernière Coupe du Monde. Ah, ça... vous n'allez pas revoir les images. Non, pour non, ce livre, vous avez même non. dû regarder la finale et ça ne vous plaisait pas. Hein. Oui, et puis même l'écrire, ça n'a pas été simple parce que j'avais envie de passer à autre chose. C'est vrai. Et le défendre aujourd'hui, ou en tout cas le présenter. C'est dur pour vous. Je préférais avancer, penser. Quand vous avez vu les images de la finale contre les All Blacks, quel a été votre sentiment? Il m'a fallu 2-3 jours pour le revoir et j'avais pas envie. Quoi. Je me suis énervé. Bon, évidemment, je connaissais le résultat final. Mais j'avais pas envie de le voir. Il a fallu ce livre pour que vous regardiez. Moi, ça me surprend, ça m'épate, ça. Qu'il ait fallu ce livre pour que vous regardiez les images. J'imaginais que peut-être vous aviez la curiosité de voir d'un autre œil, à travers les écrans, ce qui s'était passé. Vous étiez sur le bord du terrain pour le voir, vous allez me dire, mais quand même, jamais vous n'avez eu l'envie de les revoir. Non, évidemment, j'ai revu et plusieurs fois tous les autres matchs, mais celui-là, c'était le dernier. Non, j'en avais pas envie. Bon, alors quelques extraits des conférences de presse que vous n'avez peut-être pas revues non plus. Il faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra se satisfaire de ça. Si ça ne te convient pas, tu peux prendre la porte. Bon, tu l'as trouvé vulgaire, ma question, je m'en fous. Tu me cherches décidément, toi aussi. Hein. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois, toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Je crois qu'on en a pris plein la figure pendant 4 ans et... À l'image de ces 4 mois ensemble et de cette promenade hier sur le Mont Éden, de cette Marseillaise chantée à tue-tête, de ce rugby à toucher justement dans ce même Éden, assez près du paradis. Voilà, je voudrais les remercier. C'est trop dur ça. Oh, c'est insupportable. Quatre extraits, et en plus les extraits de conférences de presse pour résumer cette compétition. Et puis pour moi, vraiment, c'est pas forcément les. Voilà, les c'est, là, c'est le lendemain de la finale, je évidemment. Bien de tout on ça, sait, on sait. Pourquoi plus de moustache? Pourquoi il avait dit. Bah parce que c'était une bague de c'était potage, un défi, un challenge. Bah oui, quand même Paris. Pas. Voilà. Allez, c'est repoussé, ça vous va mieux. Ah non, moi je préfère ça. Ah non, sans. C'est mieux ça. Non, elle est restante de vos élans. Ah, bien comme ça. Alors, pardon de vous faire revoir ces moments-là, mais est-ce que ce sont les moments les plus difficiles, la communication? Est-ce que vous dites d'ailleurs, ça, c'est dans le bouquin, vous dites que vous n'avez pas trop voulu qu'on vous forme à ça, parce qu'il y a des stages, les sélectionneurs qui ont un peu de mal à s'exprimer devant les journalistes ont du mal à répondre, on les aide parfois. Vous, ça n'a pas été trop votre souhait qu'on vous forme à ça? Non, je rencontrais des gens qui m'en ont parlé un petit peu, mais j'ai l'impression que c'était tellement évident ce qu'ils me donnaient comme conseil. Et puis voilà, prendre des cours de média training ou des cours de communication et après se retrouver à l'issue d'un match, gagné ou perdu, avec ce stress, enfin, des sentiments très forts qui s'expriment, c'est pas du tout la même chose. Donc, Alors il y a aussi autre chose qui vous distingue des sélectionneurs précédents, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, je ne vous ai pas encore vu dans une publicité. Que ce soit d'ailleurs pour le rugby, Bernard Laporte, on ferait la liste hein, des publicités dans lesquelles on a pu le voir. Raymond Domenech, poker et j'en passe. Vous
Alors que vous avez finalement fait quand même un meilleur résultat au rugby que Domenech dans le football. Bah, il n'y a eu aucune proposition. Il a quand même fait une finale de Coupe du Monde aussi en 2006. Oui, pas la dernière en tout cas. Mais si, mais de la même manière qu'on n'a pas trop vu sur les plateaux télé, hors les plateaux télé sportifs. Ben là, je fais des exceptions, on va dire, pour la sortie du livre. Oui, non, c'est pas mon truc. Hein. Et les contrats de pub, vous avez dit non? Non plus, bon, j'en ai pas eu énormément non plus. Hein, ah, c'est vrai. J'ai fait en sorte de. C'est Chabal qui prend tout. Oui, il en prend beaucoup, c'est vrai. Tant mieux pour lui. Natacha Polony, vous qui aimez le rugby, vous avez lu Cadrage et débordement. Oui, j'ai dit tout à l'heure que cette Coupe du Monde avait été un moment fabuleux. Mais c'est vrai qu'en revanche, quand on vous lit, on se pose la question de savoir quel sens a ce livre. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous avez été contesté en tant qu'entraîneur. Il y a un côté d'ailleurs, quand on lit tout votre parcours, entre Aimé Jacquet et Raymond Domenech, c'est-à-dire à peu près aussi controversé que Domenech et aussi maltraité que Jacquet, malgré le parcours que vous avez effectué. Et du coup, on vous lit, on se dit, mais ça apporte quoi de revenir là-dessus, de réexpliquer, d'être, parce que Audrey a raison, d'être critique à nouveau sur vos joueurs, ou en tout cas d'en remettre une louche sur tout ce que vous avez pu dire sur eux. Oui, moi je ne conteste pas que vous ayez dit qu'ils se sont comportés comme des sales gosses, je comprends très bien. Mais d'ailleurs, justement, c'est très intéressant. Il y a très souvent dans le livre une référence, et on dirait que c'est une référence très importante pour vous, à la Coupe du Monde de football d'Afrique du Sud. Et quand vous leur disiez ça, il y avait un petit peu ça derrière. De même, vous avez dit à un moment, ils ne sont pas descendus du bus. Rappel de l'épisode de l'Afrique du Sud. C'est la seule référence que j'ai fait à la Coupe du Monde. Mais sinon, le sens de votre livre, vous en parlez souvent. Encore une fois, je vous parle du contexte médiatique extrêmement critique qui a accueilli notre arrivée en Nouvelle-Zélande. Je parle des Français, hein, pas des médias néo-zélandais. Et les journalistes étaient persuadés, ils l'avaient annoncé haut et fort, que nous allions nous planter de la même manière que l'avait fait l'équipe de France de foot l'année précédente. Donc, on l'a voulu dans un guide d'un bon, on ne pas mais vous sport, avez mais voulu... voilà, sa question, elle était peut-être légitime, mais c'était ça en permanence. Donc c'est vrai, à travers quelques extraits, forcément, ça sort un petit peu du cadre, c'est difficile d'appréhender ça, mais c'était, et j'ai pas fait, devant mes joueurs, en tout cas, la seule référence que j'ai fait, c'est après un soir de défaite honteuse, j'ai dit quelque part, on n'est pas descendu du bus. On nous en parlait en permanence. Est-ce que, justement, vous voulez, vous justifier? Est-ce que vous voulez dénoncer une dérive du rugby qui irait de la part des joueurs vers cette forme de narcissisme, cette forme d'individualisme qu'on voit dans le football. Est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est simplement une façon de pousser un coup de gueule, de vous justifier, de dire mais j'ai été un bon entraîneur. J'ai pas l'impression de tirer la couverture à moi. Vous vous dites parler de critique aux joueurs. J'ai pas l'impression que ce livre soit un livre à charge des joueurs, mais sûrement pas. Ou alors vous êtes les deux premières personnes qui aient lu le livre et qui m'en parlent comme ça. Ah, ce sont des petits cœurs sensibles. Eux-mêmes, par exemple. Puis elles ont tous les calendriers chez elles. Alors il a lu des extraits du livre. Des extraits forcément un peu plus sortis du contexte. J'explique vraiment pourquoi j'ai été amené à faire certains choix. Je dis effectivement que je reproche à François, je l'ai dit à l'époque et je le redis aujourd'hui, qu'à ce moment-là, je lui reprochais son manque d'implication. Et ce qui a justifié un coaching. Encore une fois, il a fait partie des 30, il a fait partie des 22, il a même joué cette finale de Coupe du Monde en remplacement de Morgan Parra. Bon, dire que c'est un bouquin à charge contre le milieu, contre le média, alors qu'il y a beaucoup d'émotions, j'exprime encore une fois, je le dis dans ma préface, avec ma sensibilité, comment j'ai vécu cette compétition. Et je le dis dès les premières pages. Oui, voilà. Oui, mais... Je n'ai pas de regrets. Je pense que la fin est aussi assez positive, encore une fois. Et je souhaite le meilleur à l'équipe de France à venir. C'est vraiment pas un bouquin à charge comme il peut être présenté, ou en tout cas comme vous êtes en train de le présenter, ni contre les joueurs. Vous disiez tout à l'heure, j'ai critiqué les joueurs. Je sais pas, après oui, vous ne connaissez pas le sport, mais les joueurs, on leur dit quand c'est bien, on leur dit quand c'est mal. Mais on le dit pas en conférence de presse. Je suis d'accord, évidemment, mais vous savez, j'ai fait moi aussi du sport collectif dans ma vie. Évidemment, c'est au même niveau du basket. Pour justifier un choix. Toutes les semaines, on apprend des trucs. Mais il y a ce qui se dit dans le vestiaire ne se répète pas ailleurs. Vous êtes bien obligé de justifier votre choix. Justement, je suis pas tout à fait d'accord avec la comparaison systématique qui est faite avec Raymond Domenech. Parce que je trouve que la différence qu'il y a entre vous et Raymond Domenech, c'est que Raymond Domenech, lui, il pourrissait la presse, il était épouvantable, on sait tous ce qu'il a été. Il était certainement
ou peut-être, j'en sais rien, mais il était peut-être très dur avec ses joueurs, il était peut-être injuste, il était peut-être insultant, etc. C'est ce qu'ils ont dit, certains d'entre eux. Mais quand il était en conférence de presse, il prenait pour ses joueurs. C'est-à-dire, quand il y avait, on lui posait des questions, il disait, on s'est planté, on n'a pas fait ci, on a manqué de ça, etc. Vous et il défendait ses joueurs. Et moi, les quelques extraits que j'ai vus de vos conférences de presse, j'ai l'impression, non, mais pas les quatre extraits. On la prépare quand même. On la prépare un petit peu cette émission quand même, même si on n'en donne pas l'air, mais on la prépare. Les déclarations que vous avez pu faire sur vos joueurs en disant qu'ils ont pas, mouillé le maillot, et que vous vous dédouanez, vous-même vous dites ça me fait chier de me dédouaner sur eux, mais voilà, ils ont pas mouillé le maillot. Je parle même pas des sales gosses. Un tel n'est pas impliqué, ne joue pas, etc. Encore une fois d'avoir dit une seule fois qu'ils n'avaient pas mouillé le maillot. Si, vous l'avez dit. J'ai mis mes notes en loge, mais bien sûr vous l'avez dit, non, qu'ils n'avaient pas mouillé le maillot. Bon, et ce qui est étonnant, je rejoins ce que dit, je suis beaucoup plus virulent dans le vestiaire avec mes joueurs. Mais non, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, bien sûr. Mais ça, c'est normal. Enfin, ça, c'est des hommes, c'est terrible. Mais non, mais ça, c'est normal. Mais vous dites que vous avez fait du sport, mais c'est des choses qui se disent. Mais il y a bien pire. Même en basket. Juste Audrey, parce que Marie-Vraiment, vous m'avez parlé de Morgane Parra. Alors ça, quand même, je connais ce nom-là. Puis surtout, j'ai entendu à la radio, puis j'ai vu les images le lendemain ou même le soir, même aux actualités. J'ai une photo de Morgane Parra. Là, ça, là, il est dans son état normal. Mais là, quand il est sorti du terrain, alors il était quand même bien amoché. Ça me fait toujours peur quand je vois ça. Je me dis, on a beau me dire que le rugby n'est pas violent, quand je vois ça, je me dis, bah si, c'est violent quand même. Bah c'est viril en tout cas. Il y a des blessures plus graves là. C'est deux cocards en l'occurrence. Donc c'est vrai que c'est spectaculaire. Je dis pas que c'est pas grave, c'est spectaculaire, mais c'est pas. Il y a des blessures beaucoup plus importantes que celle-là. Morgan, il a rejoué trois semaines après. Là, l'arbitre n'a pas été comme il fallait à ce moment-là. Quand le Néo-Zélandais l'a agressé. C'est un sport de combat collectif et on a le droit de faire mal dans la règle. Là, le joueur a été limite avec la règle. Ouais. Mais il n'a pas été pris par l'arbitre. Ou l'arbitre ne l'a pas vu. Bon, c'est comme ça. Le match ne passait pas en Nouvelle-Zélande, on gagnait. Peut-être, mais bon, ça fait partie du contexte. On savait dès le départ qu'on jouait en Nouvelle-Zélande. On savait que le contexte nous serait forcément défavorable. Et il faut l'accepter. Et qui est votre joueur préféré, vous, Natacha Polony? J'ai pas de joueur préféré. C'est un jeu collectif. Ah. Moi, j'aime les voir vous tous les ensemble. Tous. Exactement. Vous les 15. Bon, Audrey Pulvar. Des bien tatoués, des bien musclés. Mais j'ai pas vraiment répondu à votre question tout à l'heure. Enfin, je sais pas sur les raisons. Mais je la complète justement, Marc Livremont, parce que je suis assez d'accord avec Natacha. Je me suis fait la même réflexion ça arrive très souvent, en lisant le livre. On se dit, mais vous passez une bonne partie du livre à nous expliquer que vous ne vouliez pas l'écrire. Et finalement, vous l'écrivez. Quand Laurent vous pose la question, je ne vais pas jouer le rôle de Marine Le Pen, mais arrêtez d'exagérer. Je le dis dans la préface et puis terminé. Franchement, vous manquez d'objectivité. Là, c'est faux ce que vous me dites. Bon, d'accord. Je le dis dans la préface et puis terminé. Quand Laurent vous demande. J'explique les raisons qui m'ont poussé justement à écrire ce livre alors que je ne voulais pas. J'explique, à mon sens, en tout cas, cette Coupe du Monde, pas moi, mais à travers moi, l'équipe de France. Et le rugby ont touché les gens à travers les nombreux témoignages que j'ai reçus, que nous avons reçus à l'issue de la Coupe du Monde. J'explique ce qui m'a poussé à le faire aussi, c'est raconter avec ma sensibilité, comme l'ont fait beaucoup d'autres avant moi, même si je ne le voulais pas. J'explique que c'est aussi pour mettre encore une fois en avant la Fondation Mouvement pour les villages d'enfants. Oui, mais tout ça, on l'a compris. Mais les raisons, il me semble que je vous les donne. Ce qu'on comprend mal, c'est la contradiction. Si vous vouliez me laisser aller au bout de ma question. Quand Laurent vous a demandé tout à l'heure si vous voudriez être ministre des Sports, ce n'est pas parce qu'il n'a pas lu dans le livre que vous aviez justement pas du tout cette envie-là. C'est parce que vous passez votre temps à faire le contraire de ce que vous dites. Vous dites « je suis un taiseux ». Vous dites « je suis un taiseux ». Mais on se dit « non, s'il parlait, qu'est-ce que ce serait ?»« Je suis un taiseux » et vous n'arrêtez pas de nous raconter ce qui se passe dans les vestiaires. Ben, je regarde ce que je vois. Parce que j'écris un livre, je suis un bavard. Non, de tout ce que vous avez pu dire dans la presse, les portraits, les conférences de presse, etc. Vous dites « je ne voulais pas écrire un livre », vous écrivez le livre. Enfin, j'explique en plaisantant ces deux contradictions, à savoir, je commence le livre comme ça, je ne tiens pas mes engagements, je m'étais promis de jamais devenir entraîneur, et plus tard. C'est un peu d'humour, en fait. Vous ne comprenez pas toujours, hein. Vous n'êtes pas un homme de contradiction. Quand j'étais joueur.
quand j'étais joueur, c'est vrai que je n'avais pas la volonté d'entraîner plus tard et c'est venu. Mais donc vous n'êtes pas un homme dans contradiction. Parce que juste ça termine. Je ne crois pas en tout cas que je suis un provocateur et un homme de contradiction. Est-ce que vous êtes d'accord au moins, est-ce que vous m'accordez au moins le fait que dans ce livre, tel que je l'ai lu, si je sais encore lire, je n'ai pas vu apparaître de regrets dans la façon dont les choses se sont passées, dont vous avez mené les choses. Parce que j'en ai pour et pas. Vous expliquez que d'autres personnes dans le monde du rugby, d'anciens joueurs, vous ont beaucoup critiqué, la presse, la vérité, etc., etc. Mais je m'étonne qu'à aucun moment sans vous ne remettiez en cause votre stratégie. Et je n'y connais rien. Mais j'ai bien. Et vous savez, quand on fait des choix sportifs, notamment dans un sport aussi collectif et aussi compliqué, aussi riche d'une certaine manière que le rugby, forcément, il y a des choix qui sont très objectifs et d'autres, et beaucoup sont très subjectifs. Donc, j'ai toujours expliqué, je l'explique peut-être pas à nouveau dans le livre, que dès le moment où je fais un choix, j'ai bien conscience que je pourrais faire autrement. J'y réfléchis énormément. Non, une sélection, une équipe de France, c'est une homogénéité d'individus. C'est pas forcément les 15 meilleurs individus. C'est des gens qui vivent ensemble. C'est des choses qu'on ressent de l'intérieur. Et je reconnais pouvoir m'être trompé. Mais après, je n'ai pas l'habitude d'avoir des regrets, ni sur ma communication. Il y a eu quelques sorties, voilà, que certains ont critiqué, que vous critiquez aussi. Mais sur mes choix sportifs, non, je suis désolé. Tout en ayant conscience que j'aurais pu faire autrement. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais j'exprime à travers ce livre le fait que j'ai fini cette Coupe du Monde apaisé, heureux et sans regret. Marc Lévremont, justement, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question que je vous posais. Je la posais à dessein. J'ai lu sous la plume de journalistes qui vous apprécient que vous étiez considéré comme une sorte de mousquetaire, un représentant d'un rugby à l'ancienne ou d'un porteur de valeurs qui serait en perte de vitesse. Ça, vous ne le voyez pas quand vous critiquez la politique des clubs, par exemple, contre l'équipe de France. C'est pas pour ça ? Alors tout va bien dans le rugby ? Je dis que les intérêts, en tout cas, des clubs et des équipes de France sont complètement divergents et que c'est difficile de s'entendre et que c'est des conflits d'hommes et que je le regrette parce que du coup, j'aimerais qu'il y ait un rugby beaucoup plus harmonieux. J'étais dans la situation d'un entraîneur. Il n'est pas en train d'être gagné par le sport business. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Mais bien sûr, mais c'est un petit fait. Les dérives, c'est les aléas du sport professionnel, de sa médiatisation. Il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus des médias certains qui sont en difficulté et puis qui font pas toujours preuve d'objectivité. Et moi, certainement, dès le moment où on est passionné, j'ai certainement pas toujours fait preuve d'objectivité non plus. Voilà. En tout cas, me reprocher que je puisse être un entraîneur à l'ancienne, en tout cas, respecter certaines valeurs. Je le deviens. Très bien, non mais je pensais comme on parlait des rapports avec la presse que vous étiez justement sur une forme de la critique. Mais je veux parler de votre style de jeu, de votre rapport avec les joueurs, de votre conception du rugby, parce qu'il y a aujourd'hui dans le monde du rugby sur cette évolution. C'est tout, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Vous pensez quoi de l'affaire Chabal, de l'affaire du Racing Métro ? Je change souvent d'avis parce que je... De l'affaire Chabal, à quel niveau ? Du licenciement de Sébastien Chabal, des tensions qu'il peut y avoir au Racing Métro. Médiatique, on en parle un peu plus, mais un entraîneur qui s'entend plus avec un joueur, pour X raisons, je vis pas dans le groupe du Metro Racing. Moi, je respecte la décision du club. Voilà, c'est une histoire qui se finit, mais ça arrive dans n'importe quel groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Le meilleur passage du livre, ça y est, je le tiens, là, c'est page 131, quand vous dites « Je ne vais pas passer par le détail, les 45 matchs que j'ai vécu à la tête du 15 de France. D'abord, ça m'ennuierait prodigieusement, ensuite, ça vous ennuierait prodigieusement. » Et là, j'ai fait « Ouf !» À un moment, je parle un petit peu de stratégie de jeu aussi. Je conseille aussi de passer plusieurs pages plus loin. Vous racontez votre parcours quand même et votre fratrie aussi. Ça, c'est quand même intéressant. Combien d'enfants dans votre famille ? Vos parents ont eu combien d'enfants ? 8. 8. C'est pas par hasard hein, d'ailleurs que ce livre est au profit de cette fondation Mouvement pour les villages d'enfants, parce que justement, c'est une association qui essaie de reconstituer les fratries dispersées dans des foyers d'accueil. C'est ça. Donc c'est pas un hasard total. Vous, je sais que par exemple, avec un de vos frères, il n'y a pas une fusion, mais en tout cas, vous essayez au maximum de vous retrouver. Oui, beaucoup, oui. Avec tous mes frères, mais enfin, il se trouve que notre parcours sportif nous a amené à Biarritz et qu'aujourd'hui, au-delà du rugby, on monte des affaires. On vient d'ouvrir un restaurant et on va ouvrir un spa. Quel cas de Jean Dujardin et de son frère aussi. Jean travaille avec le Marc, l'aîné des Dujardin, donc est avocat et donc conseille plus ou moins à Jean de Jean. Vous allez redevenir entraîneur dans un club ? Pas pour l'instant, non. Vous n'y pensez pas du tout ?
Si, si, j'y pense. Ouais. J'y pense parce que voilà, ma vie a été rythmée par le rugby, donc peut-être que je reviendrai ou peut-être pas, mais en tout cas, j'ai pas trouvé un contexte favorable en ce moment. Puis je parlais de mes affaires, je parlais d'autre chose. Vous allez faire un spa, c'est ça? Tout le monde se dit spa maintenant, pas pourquoi, mais... Je sais pas, tout le monde. Sur le Pays Basque, en tout cas, il n'y en a pas un aussi conséquent que. Et Blanco, il n'a pas fait ça? Il a une thalasso, hein. J'ai pas les moyens encore. Ah, c'est vraiment un petit truc, vous, c'est un truc dans votre jardin, alors vous, voilà, c'est... Non, quand même pas. Non. Il y a une belle surface de 1000 m2, mais c'est un spa urbain, ça. Ah, d'accord. C'est un salon de massage. Ah, c'est pas un centre de thalasso. Non, c'est pas une thalassothérapie. Et c'est vraiment modeste. Ça viendra peut-être. Ben, j'ai pas le choix en même temps. Ça, fallait faire les contrats de pub, vous êtes malin, vous. Il y a Audrey qui est intéressé par les massages. Est-ce que c'est Marc Lévremont qui fait les massages? C'est tout ce qui m'intéresse. Non, je suis pas formé, donc peut-être s'il y a une demande particulière. Ah là, pour une fois, vous ne lui dites pas non, Audrey Pulvar, dites donc. Natacha, pour terminer. Je citais juste un passage qui est assez intéressant dans le livre, ou amusant. Vous racontez votre enfance, votre père était militaire, et vous racontez les petits stages qu'il vous faisait faire, et c'est quand même pas tout à fait le même concept que le spa et les massages. Mmh. Il vous lâchait dans la nature, c'est ça? On a fait beaucoup de sport, en fait, avec mes parents, beaucoup de musique aussi, parce qu'on a toujours joué d'instruments de musique, donc c'est pas que le père militaire, parce qu'il a été aussi éducateur spécialisé. Il s'occupait d'adultes handicapés mentaux, il a monté des clubs de sport adaptés, et notamment, oui, il nous amenait beaucoup en montagne, donc on partait sur des camps itinérants, 3-4 semaines à travers les Pyrénées, et puis voilà, cette tradition est restée, puisqu'on part encore régulièrement avec mes frangins et ma sœur et nos enfants. Mais si j'ai bien compris, il vous lâchait pendant 2 jours, et il fallait se débrouiller tout seul. On a fait ça, ouais. On a fait des camps survie, il avait ramené ça, parce qu'il avait été... Il avait été il avait été instructeur commando, il avait été nageur de combat. Donc il a eu un parcours assez atypique. Vous êtes né à Dakar d'ailleurs, hein, il faut le rappeler. Oui, oui. Vous avez connu Ségolène Royal là-bas? Non, je ne crois pas. En tout cas, j'étais trop petit, je suis parti, j'avais 6 mois. Ah, non, bah, mes parents sont partis, j'avais 6 mois. Ah oui, donc effectivement, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Ouais. Oh, quoique, peut-être. Et vous avez aussi beaucoup lu. De tout temps, j'ai envie de dire. Et ça se voit d'ailleurs dans la. Puisque j'aimerais quand même dire quelque chose de positif sur ce livre. Ah, elle dit qu'il y a son massage. Alors, si c'est quelque chose de positif concernant l'écriture, c'est pas moi qui l'ai écrit, encore une fois. C'est Pierre. Puisque vous dites que je suis une grande gueule. Donc, c'est avec ma grande gueule qu'on l'a écrit. C'est Pierre Balester. Et la main gauche de Pierre Balester. Bon, en tout cas, la façon dont vous décrivez la finale, les derniers instants, le moment où. Voilà, c'est terminé, c'est fini, il faut rejoindre les vestiaires, puis la conférence de presse, c'est très très bien écrit, et j'ai revécu ce que je disais tout à l'heure, quand on écoute un match de rugby commenté à la radio, on voit les choses différemment que quand on le regarde à la télé, là j'ai revécu ça, cette intensité en lisant, d'avoir l'impression d'être avec vous pas dans le salon de massage, dans le match, et vraiment de vivre les choses très intensément. Ça me fait plaisir de l'entendre, parce que c'est vrai qu'au-delà des anecdotes, des résultats de match, ça a été une purge vraiment de l'écrire. Hein. Ça a été vraiment un déplaisir de l'écrire, de revenir dessus. C'est surtout ces émotions-là que je voulais. C'est les journalistes qu'il faut féliciter, hein, d'ailleurs. Exactement, c'est ce que parce je fais. Parce que vous accouchez, vraiment. Ça n'a pas dû être facile quand même. Bah, ça a été mouvementé, on va dire, j'ai réussi à y prendre du plaisir. Et puis vous revenez quand même sur des choses qui ne sont pas forcément les souvenirs les plus glorieux du 15 de France. Je pense à l'affaire Mathieu Bastaro. Hélas, ce qui s'est passé, c'est en Australie à ce moment-là. En Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, je le dédramatise d'une certaine manière, parce qu'on a fait des tonnes aussi. Oui, vous dites que vous n'avez, vous, jamais cherché à faire passer ça pour une agression. J'ai cru Mathieu sur parole, on a fait peut-être preuve de naïveté, mais enfin, quand il y a un joueur a priori responsable qui vous dit au petit matin, j'ai pris sur la gueule par 2-3 mecs. Trois types me sont tombés dessus en sortant du taxi. Voilà. Mais voilà, je veux dire, ça peut arriver, alors c'est arrivé, ou ça aurait pu arriver à Wellington, ça peut arriver à Paris, ça peut arriver à n'importe où, quoi, tomber sur 3 abrutis qui n'aime pas un Français, ou qui n'aime pas un joueur, ou qui n'aime pas, je ne sais rien, sa couleur de peau. Enfin, toujours est-il, comment voulez-vous qu'on puisse douter de sa parole? On l'apprend, en plus, on le ramène, on le renvoie en France, on apprend quelques jours après que finalement, il a menti, que les caméras de l'hôtel... Enfin, tout ça est surréaliste. Qu'il était simplement saoul et qu'il s'est cogné contre... Ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai dit... Contre la table de nuit, quoi. Voilà. Bon, c'est une version, c'est vrai. C'est la sienne, en tout cas, c'est la seule que je connais. Ce qui m'a dérangé, c'est que beaucoup, là aussi, à 20 000 km de là, prétendait que je mentais, que c'était des cadres de l'équipe de France, bon, on a cité beaucoup, qui l'avaient frappé, et qu'on défendait ces cadres-là, et donc on imposait à Mathieu le silence. Quoi. Et puisqu'on parle des mauvais souvenirs, un des plus mauvais, c'est la défaite. Il faut une faire de perte contre l'Italie, quand même. Ah, oui,
En football, je comprends. Mais en rugby, alors là, ils progressent, les Italiens. Bien sûr qu'ils progressent. Là, il a gagné le nouveau sélectionneur, quand même, contre l'Italie. Oui, bien sûr. Bon, j'avais réussi à les gagner trois fois d'affilée avant, mais c'est vrai. Mais dès le moment où je parle, on vous doit la première défaite contre l'Italie. C'est vrai, c'est un record. J'en ai d'autres, hein, des records de points encaissés et la défaite contre l'Italie. Ça a été compliqué comme parcours. Mais j'explique aussi à quel point aussi ces semaines-là, justement après un match, voilà, il y a de la honte, il y a de la frustration, il y a de la colère et on rebondit. Et c'est des semaines où on se sent vivant, où c'est intense parce que ces contrastes d'émotions sont. Enfin, j'arrivais en tout cas à appréhender ça et avec bonheur d'une certaine manière. Elle me dit, bon, enfin, tu vis des trucs de dingue, quoi. Ça s'appelle cadrage et débordement. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un d'assez franc dans ses déclarations, Marc Lièvremont, et on retrouve ça dans son livre. C'est aux éditions de La Martinière. Merci, Marc Lièvremont. Je vais rejoindre votre place.